Salut les geeks! Aujourd'hui, je vais vous présenter une figurine de chez Diamond Gallery. Alors, c'est parti, let's go! Alors, voici la figurine, vous ne me voyez pas bien sûr, parce que le carton est plus gros que moi, et c'est de la marque Diamond Select, alors Select Toys, Diamond Select Toys, qui font toujours de magnifiques figurines, je trouve. Franchement, c'est moulé sur une seule pièce, franchement, c'est magnifique. Alors là, vous voyez le Captain America. Sur le côté, vous voyez encore pareil, boîte vitrine. Ensuite, pareil, derrière, vous voyez la photo du Captain America. Et derrière, enfin, vous voyez, enfin derrière, sur le côté plutôt, vous voyez le diorama, parce que c'est, en fait, c'est une boîte vitrine diorama du Captain America. Et nous allons découvrir ça tout de suite. Alors voilà, nous ouvrons la boîte délicatement. On la tourne. Voilà, au-dessus, il y a ça. Alors, je possède déjà en Diamond Gallery le Doctor Strange du film. Et aussi, je possède de Diamond Gallery John Wick, que vous avez déjà vu les vidéos. Alors, dedans, il y a un petit flyer. Dedans, vous découvrez tout un tas de figurines de chez Diamond Gallery. Il y a déjà une Wolverine, Taskmaster, et j'arrive pas à le dire, Emma Frost, Star-Lord, Mysterio, Agent Venom. De l'autre côté, vous avez Captain Marvel, War Machine, Ant-Man, Iron Man, Rescue, Captain America, Hulk et le Quantum Suite, Captain America, c'est là où il voyage dans le temps. Donc, vous voyez tout ça ici. Voilà, et après, il y a un petit questionnaire, si vous voulez l'envoyer. Comme ça, vous pouvez rejoindre la... Être membre de chez... Vous pouvez être membre de chez eux. Apparemment, ce que j'ai compris. Alors, nous allons découvrir ça. Alors, nous détachons ça. Alors, comme toujours, c'est bien protégé avec des grands scotch. Alors, je conserve toujours mes boîtes. Ah ben tiens, voilà. Alors, waouh. Alors voici la magnifique figurine de Captain America, franchement, Diamond Gallery. Alors là, il y a un effet l'air comme dans les bandes dessinées. Hein. Voilà, on voit le logo de Hydra sur le sol. Voilà, alors ça c'est l'ancien Captain America. On dirait des plumes qu'il a sur lui, mais bon, c'est le costume qui est comme ça. Hein. Mais quand je le regarde, magnifique, il y a des morceaux de pierre sur les bottes. En fait, il est comme s'il est en train de courir, là, il se déplace en lançant son bouclier. Franchement, c'est magnifique. Là, il y a le déplacement d'air, de l'eau peut-être. Alors, je ne sais pas si c'est de l'eau ou de l'air. Comme le bouclier, je pense que c'est l'air ou de l'eau, je ne sais pas. Je ne peux pas dire, parce que j'ai du mal à vous de me dire ce que vous allez découvrir dans la vidéo. Cette figurine a été achetée à la boutique AFK Pop Culture. C'est ma femme qui me l'a offert pour mon anniversaire. Et du coup, par la même occasion, je dis bonjour. Je leur fais un petit coucou par cette vidéo. Voilà, parce que je présente une figurine que j'ai achetée chez eux. Enfin, que ma femme a achetée chez eux. Donc voilà. Et peut-être que j'irai les interviewer dans leur nouvelle boutique bientôt. Parce qu'ils vont déménager s'ils étaient à hier. Ils sont sur hier, bien sûr. Mais peut-être que au moment où vous regardez cette vidéo, ils étaient à hier. Donc ça veut dire l'année prochaine, peut-être l'année prochaine, en 2025, ils seront ailleurs. Mais ça sera dans une prochaine vidéo. Voilà. Donc je vous laisse découvrir la figurine. Bien le cul de l'Amérique.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner, de partager la vidéo si elle vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. T'as intérêt de la mettre quelque part où on la voit. Ah oui. Sinon, je te casse la gueule. Oui, t'inquiète. Vous en pensez quoi, vous? Je lui casse la gueule ?